Il y a peu de volets des politiques publiques aux États-Unis qui n'auront pas de répercussions sur les actifs et les investisseurs au Canada. Il y a donc lieu d'examiner en profondeur les répercussions sur les investisseurs canadiens des élections aux États-Unis, et plus particulièrement de la victoire des Républicains. Si l'on examine l'évolution des marchés juste avant les élections et la réaction de ces derniers à la victoire de M. Trump, on constate que la situation a été généralement favorable pour les actions, notamment pour les actions américaines. Aux États-Unis, les actions se sont redressées dans l'espoir d'un assouplissement de la réglementation, par exemple, et d'une réduction de l'impôt des sociétés, du moins par rapport au taux d'imposition fixé par les démocrates. Cela dit, les taux obligataires ont aussi augmenté. Les cours des obligations ont donc baissé. Les taux d'intérêt à long terme ont augmenté en raison des craintes à l'égard d'une hausse des déficits budgétaires futurs, compte tenu des réductions d'impôts prévues et, par conséquent, des emprunts accrus du Trésor américain et des pressions à la hausse sur les taux. D'autres marchés boursiers à l'échelle mondiale ont quelque peu pâti des craintes liées aux barrières commerciales. Dans l'ensemble, les réactions sont plutôt contrastées dans le monde. Ironiquement, même s'il y a beaucoup de leviers sur le plan des politiques qui pourraient être tirés d'une façon ou d'une autre à la suite de cette élection, nos prévisions en matière de croissance économique n'ont pas beaucoup changé. La raison est que les États-Unis et le Canada en sont à l'étape du cycle économique où l'inflation a ralenti et où les banques centrales doivent abaisser suffisamment les taux d'intérêt pour, d'une part, accélérer la croissance économique au Canada et, d'autre part, faire en sorte que l'économie renoue avec le plein emploi et évite un autre ralentissement aux États-Unis. Si les barrières commerciales s'accentuent au point de freiner la croissance économique et de menacer les exportations au Canada, nous aurons besoin d'un allègement encore plus important des taux d'intérêt ici au Canada pour que la croissance économique s'accélère et atteigne environ 2 % dans les prochaines années. Aux États-Unis, nous nous attendons à ce que la croissance ralentisse encore, pour s'établir à un peu plus de 2 %. En outre, il n'y aura pas autant de réduction de taux d'intérêt aux États-Unis, car le taux y était plus élevé au départ. Le marché boursier américain pourrait faire face à certains défis et progresser beaucoup plus à partir de maintenant, compte tenu de l'optimisme marqué suscité par le niveau actuel des cours boursiers. La réalité est que l'économie américaine ralentira un peu par rapport à ce que nous avons observé, non seulement parce que cela sera nécessaire pour contenir l'inflation, mais aussi parce que l'administration Trump prévoit réduire considérablement le rythme de croissance démographique en limitant le nombre d'immigrants. En fait, ce facteur abaisse la limite de vitesse de la croissance économique des États-Unis dans les prochaines années. Dans le cas des actions canadiennes, les perspectives diffèrent d'un segment à l'autre. Certains secteurs pourraient certainement profiter de ces changements sur le plan politique. Les États-Unis pourraient par exemple être plus favorables aux importations de pétrole ainsi que d'uranium s'ils développent leur capacité de production d'énergie nucléaire. La menace d'une hausse des droits de douane suscite certaines préoccupations, du moins dans les secteurs canadiens sensibles aux exportations en général. Ce facteur a vraiment nui aux exportations canadiennes d'acier durant le premier mandat de M. Trump. Je crois qu'il y aura une certaine incertitude et quelques hésitations pour ce qui est de savoir si ces droits de douane seront réinstaurés dans l'ensemble. Du moins, jusqu'à ce que nous sachions si le Canada est en mesure de négocier une prolongation de son accord de libre-échange avec les États-Unis et le Mexique. Des turbulences sont donc à prévoir. Nous espérons que le déficit aux États-Unis n'augmentera pas autant que ce qu'envisagent les marchés et que le Congrès insistera sur une certaine réduction des dépenses ou à tout le moins sur une limite à ces dépenses. Les taux d'intérêt à long terme qui ont augmenté en raison du résultat de l'élection pourraient baisser un peu. Au Canada, il va sans dire que nous nous attendons à une baisse des taux d'intérêt à court terme, à mesure que la Banque du Canada assouplira davantage sa politique, car c'est ce dont a besoin l'économie à l'heure actuelle. Compte tenu de toutes les incertitudes auxquelles nous faisons face en ce qui a trait à la politique économique américaine pour les prochaines années et des répercussions importantes que la conjoncture aura sur la monnaie, les marchés boursiers et les taux d'intérêt au Canada, un portefeuille diversifié est un choix logique dans un monde empreint d'incertitudes. De toute évidence, ces élections et le vaste éventail de changements de politique qu'elles pourraient entraîner
font en sorte qu'un portefeuille diversifié est beaucoup plus avantageux pour l'investisseur moyen.